Je vais pas finir dans les derniers du tout en fait. Non, non, on sera avec toi. Alors oui, mais c'est quand même plafonné. Tout, en fait. Même pour les derniers, c'est plafonné. En gros, jusqu'au 8ème place, vous économisez un peu d'argent et après les 8ème places, c'est plafonné. Et si vous rage quittez, c'est 100 euros de plus que la 8ème place. Voilà. Peux-tu réexpliquer un peu? Alors je vais réexpliquer toute la run. Je vais réexpliquer la run pour tous ceux qui débarquent. Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous allons donc faire une course de speedrun sur Hades, un jeu roguelike, hack and slash rythmé, enfin pas rythmé mais énergique, dans lequel il faut arriver à vaincre Hades à la fin. Donc le but c'est que sur une nouvelle sauvegarde qu'on va tous lancer en même temps, et bien ce soit le premier qui arrive à vaincre Hades qui gagne. Et en fait on fait un système de cash prize inversé, c'est-à-dire que comme vous le voyez sur mon image actuellement sur le live, le premier qui termine va donner 50 euros à l'association, le deuxième qui termine 100 euros, puis 150, 200, 250, 300, 350 et 400 pour le huitième et plus. Mm-hmm. Néanmoins, si quelqu'un n'arrive pas à finir ou abandonne ou quoi que ce soit, il y aura une pénalité donc de plus d'argent puisque ce sera 500 euros à donner et non pas 400 si vous terminez. Y a-t-il une heure limite? Il n'y a aucune heure limite. L'heure limite, c'est la fin du The Event. Ok, c'est un problème que quelqu'un ait fait la nuit demain. Après, si c'est vraiment pour sauver 100 balles, ça fera mauvais genre, je pense. Après, moi je ne m'arrête pas. Non, mais en vrai, ça peut rendre le truc marrant quand même. Ça peut rendre le truc marrant jusqu'à la fin, tu vois. Il arrive à la fin. Imagine le mec dimanche 20h. Dimanche 20h, toujours sur Star, notre putain derrière lui. Moi je l'aurais pas donne. Dimanche je l'ai pas donne, c'est sûr et certain. Je pense aussi. Moi c'est la fin de mon dimanche, messieurs. Mais pas donne en 12 ans de d'ailleurs. Je donne, je viens te coach. Non mais d'ailleurs c'est pour ça. Je suis avec toi. Non mais c'est pour ça, je tiens tout de suite à mettre le hola sur les gens qui vont découvrir le jeu. Ne croyez pas que vous finirez avant demain. Ah oui, clairement, clairement. Je préfère vous le dire tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont se mettre un défi d'ego. Je pense notamment à monsieur Marquez, etc. qui va se dire, mais il y a peut-être moyen. En réalité, en tryhardant bien et en étant un peu coaché, ça prend. Après, ça prend 8 heures si, peut-être. En vrai, Manu, si t'es fort au jeu vidéo, tu vas y arriver en 2-3 heures, je pense. Il y a des techniques pour. Tu peux y arriver. Et croiseur. C'est la mec, tu la trigger de ouf. Après c'est si t'as l'habitude de jouer au jeu vidéo, tu vois, c'est pas non plus. On est d'accord que c'est mode infernal. À 40 ans quand même. En tout cas, un jeune y arriverait, tu vois. Mode infernal. Alors, ce n'est pas en mode infernal. Ouais, et dans les options, vous avez droit à faire tout ce que vous voulez, sauf cocher le mode divin qui simplifie le jeu. Même pour les débutants, vous ne le cochez pas. Et voilà. Sachant qu'on va faire un go général, hein, donc mettez-vous tous prêts là sur votre fichier de sauvegarde. Et alors attendez, la consigne, c'est qu'on se mute tous après, c'est ça? Enfin, honnêtement, je pense qu'on se mute tous et on peut se mute des fois pour rigoler, pour donner des infos, j'imagine. Les bytes, ils changent à chaque fois, faut les refaire. Je vais me mettre en push to talk. Lance vite fait une run, Sard, et regarde. Non, c'est les mêmes binds pour toutes les sauvegardes, si c'est ça ta question. Ah, okay. Je sais pas. Mais honnêtement, ça peut être marrant de parler des fois. De toute façon, je finirai pas. Non, si jamais tu veux parler, tu peux parler. Si tu veux parler, tu peux parler. Mais juste, voilà, il faut bien passer à ce qu'on. Faut pas flouder. Bien sûr. Sachant que quand vous finissez, évidemment, vous venez crier un joli time et on commencera par. Si jamais il y en a qui arrivent sur Hades qui préviennent limite, tu vois. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. J'arrive sur Hades, limite, ça peut être pas mal. Et même en plus pour les viewers, c'est pas mal. En vrai, si vous êtes en mode, j'arrive sur Hades, dites-le, comme ça les viewers viendront vous voir et vous coacheront et vous encourageront. Ça sera vraiment. Ce sera une bonne ambiance. J'allais faire la blague. Par exemple, là, Kenny sur Hades actuellement. Forcément, voilà. Mais non, mais oui, ça va trop à la mort. De toute façon, ça tombe bien, dans 2-3 heures, j'ai la soirée à changer. Je suis sur Hades là. Hop, 2 minutes de pub. Habile, c'est Je rappelle que tous les coups sont permis. Les grands favoris sont LRB, DFG et Mister MV. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Surtout LRB. Adrien, il a fait un 1h40. Mais j'ai fait 1h40 mardi. Depuis, je n'ai pas joué. LRB, je crois que tu voulais dire Funka. Funka est chaud. C'est vrai que Funka est chaud. Ouais, vite fait, les gars. Depuis que le challenge a été instauré, je n'ai pas joué une seule seconde. Là, je joue Arc de Chiron, donc je joue pas pour de vrai. Ah oui, alors, juste, je rappelle la liste des participants. On a donc dans ce channel vocal Chap, TFG, Juice, Jean Massy Acropolis, Kenny Stream, Lapi, LRB, Antoine Daniel, Mister MV, Moment, Ponce, Sardoche, TKL, enfin c'est Funka du coup. Funka. Et moi-même, Zerator. Donc on est un milliard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nous sommes. Voilà. Il y aura donc 6 déçus.
qui paieront, peut-être. Ah, mais non, on s'en fout, oui, ils seront à 400 balles. Il y aura 7 déçus, donc qui paieront 400 balles. J'en fais partie. Et on verra qui ce sera. Est-ce que tout le monde est prêt ou est-ce que quelqu'un a des soucis? Donc là, il faut être sur, là, il faut être sur le truc des sauvegardes. La sélection des sauvegardes. Exact. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, attendez, ouais. Quasiment, Réponse française à 15 runs, là. Je mets un like pour le fun. Sur emplacement vide, là. Ouais, pareil. Pareil. Ouais, voilà. Il faut que vous soyez sur emplacement vide. Attendez. Ouais. C'est quasiment une histoire de seconde. Vous avez le droit de faire un clic, hein. Attention, vous pouvez pré-shot. Alors, par contre, messieurs, il n'y aura pas de remake. Je suis désolé, mais si vous avez un souci avec votre sauvegarde, machin, vous repartez, ah, et oui, tant pis. Vous, aurez, vous serez en faux départ, et voilà. Ok? Entendu. Okay. Est-ce que le jeu est capturé là? Je suis un petit peu stressé. Ok, c'est bon. On est good? Allez, on est good. Respect à tous les débutants de Ok, messieurs, merci. N'oubliez pas de vous mute, limite maintenant. Vous pouvez vous muter maintenant et moi je m'en occuperai quand j'aurai fini le décompte. Donc mutez-vous sur le Discord. Bonne chance. Bonne chance à tous. Attention, amusez-vous bien. On part dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance à tous. Joyeux anniversaire LRB. À tout à l'heure. Merci. Allez, c'est parti. Alors désolé mesdames et messieurs, mais là je vais plus trop regarder le chat, plus trop regarder les alertes, plus trop regarder rien. Let's go. On y va. J'ai lâché full tryhard. Oh, ça va être compliqué, hein. Allez, on y va. Ah, mais on pouvait passer la cinématique? Je savais pas. Dommage. Je savais pas qu'on pouvait passer la cinématique. Ah ouais, on peut carrément la passer. Ah merde. Bon. Non, on peut pas. Ok. Ah mais non, c'est que le jeu s'arrête quand je suis en altable. Je croyais qu'il continuait sur son dialogue. Ok. Ok, my bad. Bon, j'ai un peu de retard, mais ça changera rien. Je pense pas que moi, je serai à quelques secondes près d'un gagnant pour une grosse place. Donc en vrai, pas de soucis. Ok, alors mes amis, mesdames et messieurs, le but est donc de finir le plus vite possible. La run est donc de vaincre Hades, mesdames et messieurs, le plus vite possible. Alors dans un premier temps, on va essayer d'aller chercher des obsidiennes. Les obsidiennes qui sont eh bien, des espèces de monnaies du jeu qui peuvent être échangées contre des bonus. Je vais un peu essayer d'expliquer la run vite fait pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe un petit peu sur le live. Donc les monnaies bonus que je vous disais, ce sont les petites obsidiennes, vous allez voir. En fait, le principe du jeu est très simple. Vous allez dans une salle, vous vainquez tous les monstres qui sont dedans. Et une fois que vous avez vaincu tous les monstres qui sont dedans, eh bien, oh zut, eh bien, vous pouvez passer à la salle suivante. Voilà, c'est le principe du jeu. Vous voyez ce petit truc qui est tombé, ce sont des obsidiennes, j'en ai 10 actuellement. Il faut que j'en ai un certain nombre afin de pouvoir acheter des pouvoirs pour mon personnage à la fin de à la fin de la run. En gros, si vous perdez là, si mon personnage meurt par exemple, il recommencera, enfin je peux recommencer, mais avec des bonus que je peux acheter. Et donc ces bonus là, bien sûr, vous allez voir comment ils s'achètent dans une espèce de menu dans lequel votre personnage peut courir, etc. Et ça va être vraiment très sympa. Je vous conseille vraiment d'aller voir peut-être des joueurs comme LRB, ceux qui connaissent Hades, pour eh bien, tout simplement l'encourager. Il fait partie des grands favoris. Moi, en gros, mon meilleur temps que j'ai fait, c'est 1h40 pour vaincre Hades. Je l'ai fait en live. Ça représente 4 runs, en gros. Donc 4 restarts, on va dire. Enfin, 3 restarts et la run de base. Oh merde. Et honnêtement, je ne pense pas faire mieux. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup de faire beaucoup mieux en tout cas. Je pense que si vraiment je joue très bien et qu'il n'y a pas d'erreur et que j'ai un peu de RNG luck, je pourrais viser en 1h30 ou quelque chose comme ça, mais c'est très compliqué. Ok ? Voilà, vous pouvez ouvrir le multi-twitch. Alors, donc il y a des monstres qui ont une barre de vie en jaune, vous pouvez voir, ça c'est quand ils ont de l'armure. Et aïe, mais tous n'ont pas cette caractéristique-là. Il y a plein de choses à savoir sur le jeu, c'est difficile de tout expliquer pour être tout à fait honnête, mais... voilà, au pire, posez des questions dans le chat, les gens vous répondront parce qu'on est sur un chat très sympathique ici. Et voilà, c'est un truc qu'on voulait faire sur Hades parce que nous, on adore le jeu. C'est un jeu très nerveux, un jeu qui à la fois est vraiment easy to learn, very hard to master. Il y a très peu de touches et plusieurs façons de jouer en termes de gameplay. La rejouabilité, c'est la grande force de ce jeu. On va voir si on a une première chance de RNG. Voyons. Alors. Oh, let's go les gars. Là, on a eu de la chance, on a eu un bonus assez important. Qui va nous permettre d'aller loin.
enfin qui va nous permettre d'économiser un peu de temps, on va dire. En tout cas, sans économiser du temps, d'être sûr de pouvoir aller à un certain point. Cela dit, est-ce que j'utilise... Ouais, non, j'utilise pas maintenant. Donc là, en gros, sur chaque run, on a un peu un objectif d'aller chercher certaines ressources. Là, mon objectif, c'est de survivre dans cette salle-là et on sera déjà très très bien. On peut même mourir à la salle d'après. Je me demande même si je vais pas me faire exprès d'autre choc une des salles. Vas-y, va là. Il a mis un timer, je le vois pas. Non, il n'y a pas de timer parce qu'en fait, en gros, pourquoi on met pas de timer? Tout simplement pour dire que... en fait, on joue avec du temps IRL, c'est-à-dire c'est le premier qui finit dans les temps qui crie et qui dit j'ai terminé. En fait, il n'y a pas de temps de speedrun et c'est pas vraiment une catégorie qui est beaucoup run sur internet. Il y a quelques personnes qui le font, mais c'est vraiment pas un speedrun ultra populaire cette catégorie-là de Hades, même si peut-être que ça popularisera le truc. Ah, j'aimerais bien avoir un marchand avant. Ah, c'est un peu chaud parce qu'en fait là je me demande si j'aurais pas dû arrêter à la truc d'après. Et donc en fait, en gros ce qui est intéressant dans ce speedrun, c'est qu'il y a beaucoup de decision making au-delà de l'exécution. Oui Gaston. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que demain, moi j'ai rendez-vous à 13h. Ouais. Non mais c'est encore envisageable. Mais t'as des joueurs à part moi? Oui, 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 d'accord. Eh ben écoute, pour l'instant, on dit que... Ouais. Ok, bon, j'ai eu raison de Paris Star. Ouais, ça parle de civilisation, hein. Ça parle de civilisation, mesdames et messieurs, mais là, je suis en train de me faire piéger. Après, bon, c'est le The Event, hein. Est-ce qu'on pourra pas dormir sur un autre week-end? Si demain, je suis un peu fatigué ou que j'ai un peu moins de voix, est-ce que c'est si grave que ça? Hier, je me suis fait piéger avec Phasmaphobia. Là, est-ce que le piège de ce soir, ce sera civilisation? Peut-être. En vrai, un petit sieve de 3-4 heures, ça a jamais fait de mal à personne. Ah, le problème, c'est que moi, j'aime vraiment beaucoup sieve. Ah, mais je peux pas. Neige. Je peux pas. J'ai pas le bon pros. Tu sais, j'ai le mauvais pros. Tu sais, le processeur qui fait que le début des tours, je perds 20 secondes. Tu sais ce qui m'était arrivé dans le... Tu sais, on m'avait dit que le 9900K, le processeur, sieve a un problème avec. Et tu sais, je perdais 20 secondes au début de chaque tour, je pouvais rien faire. Tu te rappelles de ça? Tu t'en rappelles pas? Tu sais, je pouvais jamais first move et tout. Bon, enfin, cela dit. Pourquoi c'est pas grave? C'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est très désagréable de jouer comme ça. Après, bon. Au pire, je joue sur Switch. Ça se passe très bien, mon cher Lège. Ah ouais, je sais pas. Bon, je vais. Ouais, je le ferai, mais bon. Ouais, c'est chiant. Ok, je vais me tuer. Là, on va se tuer exprès. Qu'est-ce qu'il veut avec au nectar là? Non, qu'est-ce qu'il veut lui là? J'en ai pas eu encore. Ah, mes espions m'indiquent qu'il y en a dans des chats là. Mais MBZera. Hein? Ouais, faites genre, vous m'entendez pas là. Ouais, ouais. Je peux rien divulguer, désolé. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Oh putain, Red Squeezie. Non, c'est pas prévu là. Là, le Red Squeezie, c'est vraiment pas prévu pour l'instant, mesdames et messieurs. On n'est pas du tout en train de Red Squeezie actuellement. Dans le top 3 de mes priorités, il n'y a pas Red Squeezie. Voilà, je préfère vous le dire. J'ai pas eu de clé! J'ai pas eu de clé, putain, le con. Mais alors, par contre, il n'y a pas le Skeletoum là? Il arrive run 2 peut-être. Ah, ok. Il arrive pas. Peut-être c'est run 2. Ok, c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, il y a deux runs à faire. Non, mais c'est pas très grave. Honnêtement, ça change pas grand chose. De toute façon, ah c'est quand on unlock une arme, et ouais je suis un peu con. C'est pas très grave, ça ne change absolument rien à notre run. Ok vas-y on va faire ça. Là il faut qu'on débloque 30 obsidiennes. 30 obsidiennes et une clé. Voilà, 30 obsidiennes et une clé, c'est le but de notre voyage sur cette nouvelle run. Et c'est tout en fait hein. Allez, on en a 10. On en a 10. Allez, on perd des HP gratos. Arrêtez de faire le con. Must be Aphrodite. Je suis désolé, le son du jeu est peut-être pas assez fort. Je suis désolé pour ça. Alors, on va aller chercher la clé, c'est plus important en vrai. Parce que je pourrais pas faire sans l'arc, mais je pourrais faire sans les gemmes. D'autant que là, il me faut plus que 10 gemmes, puisqu'il faut 30.
30 obsidiennes. Donc la clé, au moins je suis sûr de l'avoir après. Et on est tranquille. En fait, le reste après, on s'en fout. Ça va le son du jeu? Ouais, moi je trouve qu'il est un peu faible personnellement, mais. Je fais pas de dégâts. Pourquoi ça faisait 0? Ok. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Ah! Un 1000 balles, il s'est fait donner 1000 balles, Juice! Énorme. Ok, on va tenter d'aller acheter des trucs. Est-ce qu'il y a des gemmes au marchand? Est-ce qu'il y a des gemmes au marchand? Il y en a pas! Fuck, fuck le marchand, fuck le marchand! Oh! Ok. Voilà. Ok. Oula. Dionysus Rapidator. Je suis pas Rapidator, hein. Je vous le dis. Franchement, je sais pas quoi prendre. De toute façon, on s'en fout de cette run-là. Ah, damn it. Alors qu'Étoile lance une nuit de la culture. Ouais, tout à fait. Il va lancer avec Samuel Etienne, si vous voulez. Samuel Etienne, il est inarrêtable, hein. Il est frais comme un gardon. Hop. Non, parce que vous, vous êtes des gros geeks. Vous avez l'habitude de vous coucher plus tard que 23h. Mais Samuel Etienne, il fait tous les matins à la radio. Et faire le matin à la radio, croyez-moi, on se lève pas à 13h, hein. Hein, bande de coquinous. Oh yes, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Honnêtement, j'ai quand même envie de tenter le beau jeu et de aller et de considérer que la run 3, on peut essayer d'aller tuer Hades. J'ai jamais réussi, mais j'ai envie de faire le beau jeu. Donc on va quand même le tenter, bien sûr. De toute façon, au pire quoi, ce sera la run d'après. Hein, ce sera la run d'après. T'en as que 20, tu ne prends pas la clé. J'ai pris la clé déjà, hein. Sauf erreur. Bah, de toute façon, oui, j'aurais pas pu sortir de la salle. Ah, c'est pas fini, merde. Aïe. Ok. Là je commence à perdre un peu d'HP parce qu'en fait on va pas tarder à se tuer tout simplement. Alors par contre faut pas mourir maintenant, hein. Oula, oh, attendez. C'est le malaise là, hein. Si je meurs maintenant c'est le giga malaise, hein, je vous le dis. Parce que là en fait c'est le dernier mob que je dois tuer. Ok, je vais du calme, hein, quand même. Ah, non, c'est bon. Ok, c'est bon. c'est bon mesdames et messieurs. On va tout de suite ouais, non, là j'avoue, on s'est fait peur, hein. On s'est fait un petit peu peur. Ok, run 2 terminé. T'es chaud, mais la concurrence est énervée. Ah, non, mais la concurrence est. Je ne suis pas. Je fais pas partie des favoris, hein. Je vous le répète. Là, on achète les fontaines du Tartare. Force un build que t'aimes. Non, mais là, en gros, je vais jouer comme si j'allais le tuer run 3. C'est pour ça que là je vais acheter le refus de la mort et que je vais trigger là-dedans et que je vais l'équiper, etc. Et voilà. Nous avons l'arc, mesdames et messieurs. L'arc qui est évidemment mon arme préférée. Donc là on trigger les dialogues. Ah, merci à tous. Merci l'ami. Thanks friend. Ah, le son du jeu est vraiment pas assez fort pour moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que. Ah, je sais pourquoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah oui, non, voilà, ok. Ah oui, non, c'est ça, voilà. Nickel. Merci beaucoup. Run 3, c'est maintenant. Exactement. Alors, j'hésite. On va prendre ça. On va prendre ça. Ok. On y va. Le dédale est pas mal. Le dédale est bon. Allez, maintenant, je peux plus tout regarder le chat, sauf Karar. On a de la vie, c'est pas mal. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Squeezie vient de lever 13k en 4 minutes. Trop, trop bien.
continue de faire des raids ce malade hein. Trop trop bien en vrai. Ok. Donc là le but c'est de pas perdre un seul HP. On est au tout début du jeu. On n'a pas le droit de perdre des HP du tout. Save Zerata. Non mais de toute façon, on perdra pas grand chose. Au pire, on gagne des bonus pour la run d'après. Avec quelques petites obsidiennes, on peut se faire un bon début avec de la vitalité tectonienne ou tectonienne. Comme les plaques. Non. Et donc on perd pas grand chose à faire ça. Je sais pas à quelle heure on a commencé exactement. Ok, ça c'était une clé, on va aller chercher Artemis. Je sais pas à quelle heure IRL on a commencé. Minuit 28. Ok. Non, c'était après. C'était à minuit 30 au moins. Oh merde. Il y a 14 minutes sur le timing de Solari. Ok. Ok. Là par contre, mesdames et messieurs, je suis en train de réaliser qu'on peut vraiment faire un bon truc. On va probablement faire une très belle run. Là on a eu les chances de critique sur l'attaque qui est déjà boostée par le dédale. C'est presque un top deck. Merde. Ça c'est pas un top deck par contre de perdre de la vie sur ce mob. Alors peut-être 407. Ouais ok. Ok ça va être compliqué parce que là en fait ce qui est encore plus dur pour moi en termes de pression, c'est que j'ai une run qui je sais peut marcher. Ok là on a, en plus on a un cœur. Ok c'est pas mal du tout. Stop, lire le chat et focus. Non mais entre deux salles je peux lire un message, y'a pas de soucis. Ok. Va falloir quand même va falloir bien jouer hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? La technique maudit sur la technique ou les dégâts en moins? Technique applique l'état maudit, on va la prendre puisque de toute façon on pourra la vendre. Je pense pas qu'on jouera technique de toute façon. Anyway. Par contre on pourra la vendre et ça nous fera masse gold. Parce que de toute façon on va pas jouer avec. Donc pas de problème. Pas de problème là-dessus. On va aller prendre ça. Pas de gold, pas de gold. Ok, là il y a un puits, mais j'ai que 92 gold. Hop ! Oh merde ! J'ai fait un deuxième dash dedans. Je pensais être dedans et j'ai dash in pour l'éviter, mais en fait j'étais dedans. On va prendre ça, ça booste les dégâts d'attaque. Là on va prendre pas d'HP, mais les combats indemnes ou le bienfait de qualité sup. Non, vas-y, les trucs indemnes, on perdra moins d'HP. Ouais, là c'est pas mal du tout. Oula! Oh, j'ai mis Bind. Ok. Très bien. Un nectar, ça c'est de la merde, dommage. Squeezie vient d'entamer son dernier donation gold de l'event. De l'event, putain, de l'event, hein, vraiment. Ah, s'il entame ses derniers donation gold, ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'après il va aller raid des gens. Ça va commencer à être l'angoisse des streamers qui ont un peu moins de viewers et qui avaient mis des donation gold un peu bas. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà. Quelle salle horrible. Avec des repop de mob horribles. Je suis ISS. Ouais il a monté l'ISS en Lego. Et là il a un donation goal où il doit la détruire en la jetant contre un mur, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah mais c'est aussi ça le The Event hein. Des fois on se fait un peu violence. C'est normal. Info chat, il lui en restait un 150k. Ah merde, on n'a pas assez d'argent pour ça. C'est vraiment dommage. Mais on va au premier boss, mesdames et messieurs. Programme Juice Fitness pour Alpha, on s'en souvient. Ouais, ouais, il y a des trucs. Allez. Allez, 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 allez. Ok. Essayons de pas trop lire le chat. Je vais essayer de me focus. Elle est safe. Quoi? Elle fait deux fois d'affilée. C'est bon là.
Ok. Ah. Ok. Allez hop. Ok. Et de 1. Yes. Merde. Ok, pas mal. On va pouvoir vendre. 25 HP max, trop bien. Votre attaque inflige 30% de dégâts en plus. C'est pas mal du tout. T'es bien parti, Gogo. Ouais, ouais, on est bien parti, honnêtement. Faut juste. Après, on peut choke à tout moment. Hein. On peut vraiment choke à tout moment, je vous le dis. Faudra pas s'énerver hein, si je commence à bégayer. Non, ça. Squeezie unlock le tatouage par MV. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Vous êtes au coude à coude avec MV, mais c'est pas du tout la même strat. Et oui, oui, c'est ça qui est aussi vachement rigolo dans ce jeu et dans les runs qu'on va pouvoir vous proposer ce soir tous. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout tous les mêmes stratégies. Et les mêmes armes. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. De toute façon, honnêtement, je trouve ça trop trop bien qu'on ait réussi à faire ça. En fait, nous, moi, au début, quand j'ai préparé, enfin, quand je me suis dit on pourrait faire un truc avec Hades et tout, je me suis dit, mais le problème, c'est que c'est un jeu un peu niché, c'est dur à regarder. Enfin, c'est pas dur à regarder, mais c'est pas forcément évident à comprendre si on n'a pas le jeu ou alors on se rend pas trop compte. En fait, c'est pas que c'est dur à comprendre, c'est que c'est pas évident à regarder, je trouve, si t'as pas fait le jeu. C'est pas évident à regarder dans le sens où tu sais pas ce qui est bien, tu sais pas ce qui est important, tu sais pas quel est un move intéressant et tout. Quand tu connais vraiment rien au jeu, tu peux juste te dire ah ouais, belle esquive. Mais en fait, il y a des choses de théorie craft passionnantes dans le jeu et c'est vrai que si tu connais pas, c'est un peu plus compliqué quoi. Enfin bref. Il est où le moche là? Il est là hein. Il est où? T'es où? Il est là. Un petit marchand. Si t'as pas joué, c'est illisible à l'écran en plus. Si, ça va, au contraire, c'est très lisible, je trouve, mais c'est difficile de comprendre tout ce qui se passe. Bon, comme tous les jeux auxquels on n'a pas joué en même temps. Hein. C'est normal, mais je prends évidemment le cœur de Centaure devant Zeus. Parce que Zeus. Ouais, je sais pas. Zeus. Zeus, j'en ai pas forcément besoin. En vrai, j'ai besoin de quasiment rien à part booster mon attaque. Enfin, je veux dire, même si là je fais que booster mon attaque, je me sens assez confiant. Qu'est-ce que je pourrais récupérer qui serait incroyable? Des dashs avec Hermès. Un dash d'Athéna de renvoi. Ah, mais non, il n'y a pas Hermès. Donc des dashs Athéna, je pense. Merde. Un peu d'HP. Ce serait pas mal, un peu d'HP aussi. Il est où? Dégage! Des marchands, Artemis, et là, ah c'est forcément boss, on va prendre Artemis du coup. Duo Zeus Artemis, je sais pas s'il y a les duos, un maudit sur l'attaque. Non, on peut plus avoir un maudit sur l'attaque parce qu'on a le crit. Oh putain, ça c'est dur ça. Je hais ce boss, vous le savez, si vous regardez un peu mes parties de Hades. Ah merde, c'est un boss en fait sur lequel, bon je vais le passer c'est sûr, hein, mais il faut juste perdre le moins d'HP possible. C'est ça qui va être difficile. En vrai, je peux le jouer giga safe. Ouais, le problème c'est qu'à l'arc là, c'est un peu de la merde. Ah, ça c'est un boss qui est vraiment chiant à l'arc. Ok, faut que je fasse deux attaques chargées. Une, deux et une petite. Ah, j'ai pas eu le temps. Ok. Un, deux, trois, quatre. Ah non! Ça c'est des trucs où on perd pas mal de temps. Mais c'était un boss, c'était pour un Artemis, donc tant mieux. Tout le monde le hait. Votre assaut inflige plus de dégâts. Ok. plus 5 heures de centaure derrière. En fait, honnêtement, hein. Ah, je vous le dis, j'aurais préféré avoir une run de merde. Comme ça, il y a une excuse si tu perds. Parce que tu peux dire, ouais, j'ai eu une mauvaise RNG et tout. Après, c'est pas la meilleure run qu'on peut avoir, mais. Parce que ça dépend du gameplay de chacun et tout. Genre, typiquement, il y a des gens qui détesteraient peut-être avoir cette run, mais. Mais voilà. Faut être honnête, j'ai pas la pire. J'ai pas la pire des runs, j'en suis tout à fait conscient. Faut pas déconner, on a beaucoup de gold donc on va aller là. On n'est pas en glace canon, hein.
On n'est pas en glace canon du tout. Parce qu'on a en plus un peu de quoi tanker. Là on va peut-être avoir un cœur. Avec une grenade, ok. On va prendre ça et ça. Et là on va sur le boss. L'hydre, on est full HP. Let's go. Let's go les gars. Tu l'as dit, après on a la fontaine, mais au moins je peux me permettre de prendre quelques dégâts. En gros là je peux me permettre de prendre 50 de damage. Et c'est vraiment une bonne chose. Parce que l'hydre elle peut nous en mettre plein la gueule. Ah, par contre ça j'aurais jamais dû le prendre, mais bon. Peu importe. Admettons. Ok, fin. Donc cette hydre fait pop des AD. Oh putain, tout pop là. Tout a pop ici. Ok. Une première phase. Oh putain, 578. Ah, forcément, quand ça va crit, ça va faire mal. Hein. Ça critera pas tout le temps, mais quand ça va crit, ça va mettre des sacrés patatas. Cuitas. Les patatas. Découpées en dos. Les patatos. Buendex sont cuitas. Oh, je déteste ce pattern. On n'a pas de renvoi sur les attaques. Ça va être compliqué, il va falloir faire vite du clean sur certains ZAD. Parce qu'avec la... Ah merde, là avec les deuxièmes vagues. Ah, j'en ai pris deux. Ok, on a perdu à peu près 50 HP. Ce serait bien de plus perdre d'HP maintenant. Si je me concentre, normalement c'est tout à fait faisable. Ah merde. Enfin, c'est dur, hein. Je dis pas que. En fait, j'étais concentré, mais pas sur cette attaque là, j'avoue. Ok. Là faut juste faire gaffe à la grosse salve. Voilà. Ah non, j'aurais dû prendre 0 là-dessus. Ok. Bon, c'est pas très grave. Allez, elle est morte. Ah, down. Game. Game, game, game. Game, game, game. Hop, on n'est pas full life, mais franchement, c'est tout comme. Parce que là, on va prendre ça et on va. Est-ce qu'on va vendre quelque chose? On va absolument rien vendre. On y va, c'est parti pour l'Elysée, mesdames et messieurs. Une bonne run, c'est combien de temps? En dessous d'une heure, c'est insane. Moi, je l'ai jamais fait. Mon PB, c'est 1h40. Oh, stop. Wait a minute. Uptime, funk you up. Uptime, funk you. Alors, je me dis quand même que c'est perdable. Et donc, en fait, en gros, quand je choisis une salle où il n'y a aucun des deux que je veux, je me dis, ok, qu'est-ce que je préfère avoir pour la run suivante? Oui, j'ai choke. Et alors? Oui, j'ai pris deux de dégâts que j'aurais pas dû prendre. Oh, les papillons man. Uptime, funk you up. Uptime, funk you up. Pa 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 da pa. Up down, funk you up. Ba ba da da, funk you up. Taboudou ba boula. Ok, j'ai trop de gold, je vais là. La grosse difficulté, ça va être taisé. Ouais. De toute façon, à partir de là, tout devient difficile. Hein. Toutes les salles vont être difficiles parce que là, ça commence à être des salles où. Bah, les mobs deviennent tanky, les mobs font chier. Les mini-boss sont vraiment des sacrés boss énervés. Donc là, ça devient un peu énervé, ouais. Ok. Ok, j'ai réussi à avoir le papillon man, c'était mon but. Ça, c'est des mobs très tanky, les chars. Mais ça va, on a du DPS quand même. Maintenant, on va arrêter de booster ça. Le cœur de Centaure, c'est bien des HP. Ok. 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 Wow. Non. Pitié. Ah c'est bon. Ok, je suis content. Je gagne un temps précieux. Est-ce qu'on préférera pas quand même avoir Dionysos au cas où? Pas Dionysos. Si Dionysos. Ouais, en vrai, ouais, non. Ok, le boss, probablement l'un des mini-boss les plus chiants du jeu. Enfin, au stade où j'en suis, à ce stade de la compétition, on va dire. Après, on joue à l'arc, donc tranquille, on peut laisser. Merde, on peut laisser un ou deux mobs.
En fait, en gros, la strat à l'arc pour ce mob, c'est d'essayer de taper plusieurs mobs en même temps tout le temps. C'est pas hyper évident, mais voilà. Ok. Faut que j'aille m'occuper de lui, voilà, avant que ça pop. Ah, il y a un archer quand même, c'est chiant. On a perdu assez peu d'HP pour la salle, pour les difficultés que représente la salle, je suis assez content. Ok, archer contre archer. Quand y a rien qui me plaît. Hein. Ah ok, c'est pas mal. On a eu un cœur de centaure, c'est pas du tout le plus dégueu. C'est un peu celui que je cherchais. C'est pas celui que je cherchais, mais c'est pas mal. Oh, des chars follets élite. Ça c'est un peu chiant comme mob, vous cache pas. On va évidemment pas aller chercher à les kills, hein. On va évidemment chercher à ce qu'ils se tuent sur les murs. Ah, oh, je sais pas. Non, vas-y, on prend ça. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est un item gratos. Oh putain, alors que le marchand, j'aurais dépensé des golds que de toute façon, je peux dépenser un peu plus haut dans le shop. Je pense que c'était la bonne solution. En fait, ça me fait un cœur de centaure gratuit avec du HP max. Je pense que le call est bon, honnêtement. Enfin, je regrette pas en tout cas. Des fois, je prends une salle et je me dis ah ouais, mais non, parce que. Mais là, je regrette pas là. C'est le seul hein, qui reste, je crois. Ouais. Voilà. Cœur de centaure, évidemment, tous les jours. Dès qu'il y a des HP, on y va. Voilà, on va pouvoir commencer les calls greedy, hein. Parce qu'après le call greedy ultime, c'est évidemment de se dire il faut qu'on perde aucun refus de la mort sur Thésée, qu'on garde tout pour Hadès. J'ai pas encore réussi à clean Thésée Minotaur sans perdre un refus de la mort, surtout en run 3. Donc ce serait très cool. Ce serait un progrès. Ce serait une première sur la Zerator Télévision. Mais bon, écoutez, hein, joueur de LAN, hein. Joueur de LAN ici. Hein. Ah merde, il y a encore des mobs. Oh. Oh la vache. En fait, voilà, je sais juste pas. Quelqu'un écrit dans le chat, essaye d'éviter le centaure tout seul. En vrai, je sais pas. Attendez, faut que je m'occupe de ça vite. Voilà, ok, c'est bon. Ah oh. Fait déboîter quand il y a beaucoup d'archers, c'est très dur, c'est seul. Ok. Wouh! Beaucoup d'archers, c'est vraiment compliqué. Hein. Quand il y en a qu'un, ça va. Ok, on a un peu d'affaires. On a quand même 200 HP, c'est insane. La Dentado, ça a été upgrade. Encore un cœur de centaure. Oh putain. Oh! Une salle full archer. C'est un peu le malaise là. What the fuck. Ok, faut juste que je gride pas. Ok, faut que j'y aille doucement. Si j'y vais doucement, faut jouer safe. Les HP sont trop précieux. Merde. C'est pas le dernier. C'est pas fini. Oh la vache. Ah ça va. Ça me fait pas peur. Le problème c'est qu'il pop avec quoi? Avec des archers. Oh. Du coup ça m'a pas fait peur. Du coup j'ai sous-estimé les archers. Classique. Typical Zerator Télévision. J'ai pas peur. Se prend des dégâts. J'ai pas encore bien le timing dans le truc. Mais bon. Marchand, là on a 497 franchement. Et après on aura le boss. Ouais non, là il faut monter ça. Ok. Ouais vas-y hein. Franchement c'est de la merde mais... C'est de la merde mais il y avait rien de bien.
Allez, souhaitez-moi bonne chance, c'est là que la run se joue. Pour moi, en tout cas. Sinon, ce sera run 4. Bon, il commence par ça. Fais pas chier. Merde, je croyais que j'étais pas dedans. Wouah, grosse erreur. Ok. Ok. Ok, phase 2. Ou pas. Phase 2, toujours pas. Ça m'arrange, hein. Ok. Oh, s'il te plaît. Wouh. Ah, non. Ah, je prends les deux. Aïe, aïe, aïe. Après, en théorie, Taizé. Non, le dash qui était pas rechargé. Oh, j'allais dire, en théorie, Taizé. Tout seul. C'est presque no hit. Sauf s'il a un bienfait horrible, genre genre je sais plus, genre Athéna, non je sais plus. S'il te plaît, un petit crit là, merci à tous. Ok, là ça va, là c'est juste un peu long, mais c'est pas difficile. Et on va voir en phase 2, selon ce qu'il a. Ok. Ok. Merde. Ah merde. Allez, vas-y, s'il te plaît. Déjà, tu évites Déméter. Oui, en run 3, on évite Déméter, c'est vrai. Oh, un petit tier 2 là. Allez, cancel. Poséidon. Poséidon, c'est vraiment pas le plus simple, mais ça va. Ah merde, j'ai pris. Honnêtement, c'est pas très grave de. Ouah, pas très grave de perdre beaucoup d'HP. Enfin, pas beaucoup d'HP, mais. Ok. Ouais, le seul truc de Poséidon, c'est que. Ouais, t'en prends quand même dans la gueule, quoi. Si tu veux DPS. Ah, putain. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ok, un bon crit là. En fait, faut pas décaler le timing. Ouah, ouais, j'ai joué, là, j'ai joué avec le feu. Mais je suis un peu obligé de grid, honnêtement. Pour que le combat dure un peu moins. Et que je me sente mieux dessus. Par contre, pitié, monsieur. Pitié. Voilà, ok, nice. Tu peux le hit quand il te vise. Ouais, mais je suis pas assez confiant pour faire ça dans le jeu. Ok, on n'a pas perdu un seul refus de la mort. Donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir acheter des HP, j'espère. Hopefully. Ok, c'est déjà pas mal. La technique, non. Là, est-ce qu'on peut vendre des trucs? Ouais, on va vendre ça. Hein. On va totalement vendre ça. Et la technique, on va pas booster ses damage. On va acheter le cœur de Centaure. Il aura probablement un. On a 99 HP, ce qui fait qu'on a quand même une run full life. Hein. Je vous rappelle qu'on démarre avec 50. On démarre avec 50. Donc voilà. T'as pas celui de ton fan. Quoi? Moi j'ai rien vu, pardon. Mais je suis un peu occupé. J'ai pas beaucoup été très occupé dans ce event, mais là je suis très occupé, évidemment. On est bien, hein, évidemment. J'espère juste qu'il y a un cœur de Centaure à vendre. Ça me mettrait giga bien. Enfin, on a 130 HP, effectivement. JPEG, c'est le meilleur des chats. JPEG, un nom de chat. C'est pas mal comme nom de chat, JPEG. Ah, il y a un cœur, ok. Bon, après, il y a très souvent un cœur, hein, faut pas déconner, mais. Là, on va aller au cœur également, ce qui va nous faire vraiment full HP. On sera sûr de régénérer un maximum. Ok. Merde. Alors, le seul problème que j'ai ici, ça va être. En fait, ça va être très très dur. Je viens de réaliser que ça va être très dur cet endroit parce que j'ai très peu d'AOE. J'ai même aucun, absolument aucun AOE. Donc. Et mes dégâts sont pas incroyables au point de pouvoir se passer d'un AOE. Vous voyez des trucs comme ça où il y a des beaucoup de groupes de mobs et où ça va commencer à mettre du poison de partout. Ça va peut-être pas être évident pour votre streamer SC2 là.
Ouais, ça va être dur, ça va être dur, c'est sale. What the fuck? C'est quoi ce rat invisible là? Hein? Ah mais non, il a pop, qu'est-ce que je suis con. J'étais là, attends, il a pop d'où celui-là? Oh non, je prends 30. J'ai pris 30 de l'assis, chien fidèle. Merci à tous. J'utilise ton B. Non, ça change vraiment rien. En gros, si j'utilise mon B, je perds un GCD. Et il fait 50 de dégâts, là où mon assaut inflige 184. Donc là, utiliser le B, ce serait très très mal joué pour le coup. Autant je veux bien troller des fois, mais mais là, clairement, utiliser mon B, ce serait de la merde. Ah, je déteste ces mobs, évidemment, vous le savez, si vous regardez un peu jouer au jeu. Ah, s'il te plaît, j'ai envie d'en tuer un. Ok, c'est bon. Ok, on s'est pas fait empoisonner. Où est la fontaine? On va se mettre près de la fontaine, en fait. Ok. Je sais que je vais me faire empoisonner un moment. Mais vu que je le sais, je joue en fonction d'eux. Allez, venez là, venez là. Ah ouais. Ok. Oh putain, ok. On se rapproche de la fontaine, tout de suite. Wouh. Je me disais bien que ça allait faire ça. Je sais bien qu'il y aura un putain de rat qui allait marcher sur une... plaque de pression. C'est fini là? Dis-moi que c'est fini, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que c'est le dernier. Oh putain, c'est le dernier. L'émotion me gagne. Ok, Des golds, une grenade. Ok, ça c'est chiant par contre. Ah non, ça va. Ok. Merci pour les 25 euros, Mangs. C'était il y a 4 heures, je sais. Oh non, j'ai foncé dedans. Quel idiot. Ouais, elle fait pas de dégâts, vous inquiétez pas. Je savais qu'elle faisait pas de dégâts une fois que la salle se termine. Vous inquiétez pas, si je fonce dans un truc, parfois c'est délibéré. Non, c'est, ça l'est quasiment jamais en fait. Hein. Il y a des hits qui picotent. Ouais, clairement. On a du DPS, hein. Enfin, le problème, c'est que notre DPS est assez RNG quand même. Mais sur un long fight, la RNG se lisse, donc tranquille. Oh! Oh putain. Ok. Ok. Compliqué. Ah mais non, j'aurais pas dû prendre ça. Oh, je suis con, j'ai mal lu. Mesdames et messieurs, je commence Hades. Voilà. J'ai entendu, j'en ai entendu parler. Insane. Gel. Ok, on a les éléments. On a les éléments, mais s'il vous plaît, m'en voulez pas si je perds. Par pitié. Par pitié, par pitié. Oh là 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 là. On va essayer de jouer safe. Mais c'est très très dur de jouer safe sur ce boss. Et honnêtement, j'ai pas du tout l'habitude de jouer safe en fait. On va clean un peu. On va nettoyer la salle. On va ranger le bureau de papa. Ok. J'arrive dans les enfers. Ah. Ok. J'ai pas envie de me prendre la tête avec... Oh putain, ouais, celle-là je la prenais à 100%. Vu la direction, je pensais pas qu'il allait faire ça. C'est pas grave de prendre un hit. Faut juste essayer d'éviter d'en prendre plein. En fait, en gros, il faut pas que je me mette au fond si je prends un ou deux hits. Parce que je sais que souvent, voilà, en gros, c'est pas grave de prendre des hits. Il faut juste se dire, c'est pas grave, ça va arriver. On est en P1. Voilà, ça va être... Là commence le vrai fight. Oh putain, en plus c'est ça. Alors ça, pour un joueur arc, c'est pas le meilleur mob. Ok. Il faut absolument que je m'occupe de cette merde.
En fait, c'est un mob qui n'est pas chiant en termes de dégâts, mais qui est très chiant en termes de... Il occupe de la place sur le terrain. Ok, je l'ai eu, je crois. Ouais, c'est bon. L'armure, c'est bon. T'as le droit de te mettre en pause pour te refocus. Ah oui, on fait ce qu'on veut, hein. En fait, c'est du temps IRL, donc... Mais je vais pas me mettre en pause, au contraire. Moi, une pause, ce serait très contre-productif pour moi. J'arrive aussi dans les enfers. Ok. Ah, je l'ai pris, putain. Ok. Je suis dans la merde, je suis mal placé. Ok. Faut que je fasse gaffe parce que là je me concentre sur les AOE. Et en me concentrant sur les AOE, oh, je fais moins de dégâts. Ça, j'avais pas le droit de le prendre par contre. Mais ce n'est pas grave. Ok, ça je l'ai pas pris, c'est bien. Pour l'instant on est bien. Ok, belle esquive. Ah, fuck. Ok, il est mort. Pas Hades hein, le mob. Ok. 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 Ouah. Oh, que c'est cool. J'ai jamais pris autant mon temps en tout cas. On joue bien safe. Ah, je suis obligé de faire du dégât quand même. Oh la yes. Oh là là, ça me demande. J'ai l'impression d'être en progrès sur vous. Ça me demande une concentration, je vous dis pas. Pour éviter les AOE en même temps et tout. Ok, nice. Wouh. Phase 2. On évite l'AOE. Oh merde. Ok. Tout en sachant qu'on a deux refus de la mort. On le sait. Il va falloir aller DPS quand il va faire son... Bâtard. Oh, déjà. Wouah. Alors là, les amis, c'était pas mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui jouent à Hades, mais cette phase d'esquive... Ah, je peux pas aller derrière lui malheureusement. Ça, c'est beaucoup de DPS perdus, c'est dommage. Ah, les enfants. Oh merde. Ah, fuck. Ok, premier refus de la mort. On a une deuxième vie, on a 180 HP, on est vraiment très bien. Ok, on est en phase 2, donc là il va faire des grosses AOE, plus les petites AOE. What? Nice. Quand on n'a pas le choix, il faut go in. Il faut go in et esquiver comme ça. Ah merde, je prends quand même la 40. J'arrive sur Hades aussi. Oh! Ah fuck. Ok. Ouh. Pas mal. Oh non! Oh mais... C'est encore chocable hein, les amis. C'est jamais win Hades. D'une sale phase. Alors évidemment on est bien hein, je vous cache pas hein.
Je cache pas qu'on est bien, mais c'est jamais win. Ok. C'est un time de mon côté. Putain. Il est très très fort. Mais comment c'est possible? Apparemment, il avait 360 PV. Mais putain. Non, mais... mais mec, c'est... Genre, je le vois même. C'est incroyable. Run 3. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'entraîne ma quatrième run. Plaisir. Time. Oh là 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 là, 49 minutes, sub 1 heure. Mon PB c'était 1h40. Quel RNG de malade, j'ai été béni des dieux. Hein? Premier. Mais mec, j'ai été béni des dieux vraiment. Waouh, quel run de fou! Quel run de fou! Insane. Ouais, je suis trop content. Franchement, c'est un truc de fou. Oui. T'as dit quoi? Ah, ok. Ah, oh, je suis trop content, les amis. Je suis vraiment trop content. Je suis. Je pensais vraiment pas gagner. Honnêtement, je pensais pas du tout gagner. Je pensais être plutôt dans les 4-5e. Mais là, on a eu vraiment une RNG de malade. Alors, je vais regarder un petit peu. J'ai perdu mon chat. Waouh, mon chat a planté. J'affiche plus mon chat, le compteur a planté. Attends. Attendez, vous avez fait planter mon chat. Il y a eu trop de messages GG, je crois. Oh là 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 là. Non, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ok, je vous ai récupéré le chat. J'ai eu une luck de fou. Après, j'ai aussi bien joué. C'est un fait. Hein. Je vais pas vous dire que j'ai été dégueulasse. J'ai fait des esquives de feu. Mais j'ai eu vraiment aussi beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ça fait partie du jeu, hein. La chance dans Hades. Et là, j'ai eu de la chance. Faut être vraiment honnête. Donc, LRB joue à l'arc. D'après ce que j'ai compris, il va essayer de tuer Hades run 3. Il joue Athéna. Ouh, c'est la fin de cette vidéo de YouTube. Incroyable.